Mamie a kissé rien Ivory Sports Talk, le retour Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien On est de retour On est là, après un petit moment d'absence Un moment d'absence qui n'était pas voulu euh, Vraiment, je voulais vous expliquer euh, Ce qui s'est passé, mais vraiment En vrai, j'ai honte parce que, je sais pas si vous vous souvenez Mais j'avais fait une petite vidéo en mode vlog euh, en mars, j'allais faire un foot avec des potes et tout. Il s'avère que à ce fameux foot, je euh, suis blessé. Je me suis fait euh, ligament croisé antérieur, je me suis fait rupture partielle du ligament collatéral médial, rupture du du, du, du ménisque. Bref, beaucoup de. J'ai flingué mon genou, quoi, en gros. Du coup, je ne pouvais pas m'asseoir. Bon, là, je ne peux toujours pas vraiment m'asseoir. Là, en... là, je suis un peu en convalescence. Mais euh, voilà, ça commence à aller mieux. Dieu merci. Et euh, je me disais que ça pourrait être bien de, de revenir sur, un, sur une petite vidéo bilan, une petite vidéo récap de, de la saison foot de nos éléphants, euh, tant avec l'équipe nationale qu'en Ligue 1 ivoirienne, que sur la scène euh, internationale, avec des, des belles performances, avec des pépites, avec plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est un épisode spécial, on fait le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé sur la scène football avec nos joueurs ivoiriens Alors, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, mais en guise de sommet, on va parler de, des différents matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, euh, avec la Côte d'Ivoire qui, qui a eu deux derniers matchs euh, de qualification contre le Gabon et contre le Kenya, donc on va revenir sur ces matchs-là. Après, comme je disais, on va revenir sur la saison des éléphants en, sur les, dans les grands championnats, donc en Ligue 1, en Première Ligue, en Syrie A, et on va aborder certains cas un peu... Un peu, un peu, un peu dur, mais bon, vous verrez dans la suite. Après, belle surprise, le tournoi Maurice Revello, qui, qui est anciennement appelé le tournoi de Toulon, avec une très, très belle performance de, de nos joueurs qui ont fini à la deuxième place, donc qui sont inclinés en finale de ce tournoi. De ce, de, de cette, de ce tournoi. On va revenir un peu sur, euh, sur les temps forts. Après, par on va parler de la Ligue 1 ivoirienne avec cette saison décevante, saison oubliée de. De la sec et on va terminer par le mercato donc il y a beaucoup de nos joueurs qui vont bouger d'autres qui doivent bouger d'autres qui malheureusement ne vont pas bouger et puis bon. on verra pense le podcast préféré de ton podcast préféré que ton podcasteur préféré Fuego oui, on est de retour on est là est content d'être là allez on commence tout de suite par le débrief des différents matchs de de qualification à la coupe du monde avec les éléphants donc, euh, je vous remets là le, le groupe euh, que Faye nous a proposé. Donc, la deuxième liste d'EmersFaé. Euh, une liste avec quelques nouveautés. Quelques nouveautés. Euh... Et, et du beau monde. Comme on disait la dernière fois, les places en sélection sont de plus en plus chères. Hein. De plus en plus chères, mais on a toujours aussi autant, autant de qualités. Donc, il y a Fofana, Badra et on va être connu dans les buts. En défense, Guedadoué qui, qui revient pour sa pour sa seconde pour sa seconde sélection, euh, willy bolly toujours on se Ghislain Conan, Konan, Osonu, et Agbadou qui reviennent avec la surprise enfin surprise, qui était attendu hein, mais qui va véritablement euh, rentrer dans ce groupe côte d'Ivoire, euh, Christopher Operi de de ya fait une très belle saison du côté de qui était même élu euh, meilleur joueur. Euh, du club en Ligue 1. Un milieu avec Kessier, Fofana, Seri, Lazaramani et Baba Djemandé. On se souvient des de petits déboires de notre euh, petit euh, Djemandé qui était un peu tiraillé entre le, le Ghana et la Côte d'Ivoire et qui, qui a finalement choisi les éléphants. Et une attaque euh, sans trop de, de nouveautés. Enfin, quoique quoi qu une attaque assez 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 nouvelle en vrai avec euh, Aller qui, qui, qui est de retour à 100%. Plus ou moins euh, Omar Diakité, Nicolas Pépé, Adingra et J Jérémy Boga, et des nouveaux, des nouveaux, trois nouveaux, même en attaque, au profit, au, au détriment de d'autres joueurs qui, je suis content de son en sélection, mais je, je reviendrai dessus après. <laughs> en tout cas, l'arrivée la, de Mohamed Bamba qui a quitté les, les espoirs pour euh, venir chez nous, euh, Evan Guessant aussi, très très belle incorporation dans le groupe. Euh, et emmanuel latte midesbro euh, profil atypique qui a fait une seconde partie de saison incroyable du côté de de la championship anglaise euh, c'est 16 buts en 30 matchs dont je crois 10 buts sur les 12 13 derniers matchs vraiment une fin de saison vraiment totalement incroyable et evan Guessant de, de nice aussi qui fait une qui a fait une bonne une bonne saison en ligue 1 donc Quelques absents dans ce groupe, comme je disais, je suis plutôt content des absents. Parce que j'étais pas très très convaincu de la présence, euh, en l'occurrence, Za. Euh, Serge Aurier. Bon, depuis, depuis la Cannes, je milite pour que Serge Aurier ne joue plus en sélection ivoirienne. Mais voilà. Jean-Philippe Crasso, l'attaquant fessu qui, qui a enfin enfin été sorti de ce de ce groupe Côte d'Ivoire. Mon chouchou. Coca euh, Kader Konate qui, qui n'a pas été sélectionné. Christian Kwame, l'attaquant. de l'histoire de la sélection. Enfin aussi exacté du groupe. Et un peu une petite déception à Diallo, qui a fait une bonne fin de saison de, du côté de, de United qui, qui est absent du groupe. Donc en vrai, il n'y a pas de choc. ça ça fait un moment qu'il n'est pas, pas venu en sélection. Ori a fait une demi-saison avec euh, Galatasara et pas mal de blessures. Crasso, après son transfert à... Il a joué un peu au début de saison, mais bon il fait de saison moyenne, sans plus. Konaté n'a toujours pas de référence avec, euh, avec l'équipe de Côte d'Ivoire en, 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 sur, les, sur les matchs internationaux. Christian Kouamé, honnêtement, Christian Kouamé sur le déclin. Euh, peu décisif avec Fiorentina malgré la finale de, de Conférence League. Peu décisif, peu impactant. Il fait toujours les efforts, mais ce n'est pas un joueur qui tranchant. Et honnêtement, moi, je suis totalement d'accord avec Emir sur la... La nouvelle DA la nouvelle direction artistique de partir avec des joueurs un peu plus jeunes des joueurs qui peuvent emmener du PS qui peut tomber de la, de la des profils un peu plus différents un peu plus frais aussi comme guessant euh, sur le sur le front de l'attaque sachant qu'on a déjà des joueurs assez percutants on a pp euh, on a boga on a adingra on a, a quitté pourquoi est-ce que on prendrait euh, question, question quoi mieux quoi, mais... bon un peu déçu quand même de la non euh, sélection de Amad Diallo qui qui, qui qui a fait une bonne saison de côté United qui, qui était revenu un moment qui a marqué un but décisif contre Liverpool en en Coupe euh, qui a joué aussi la finale euh, de la FA Cup contre euh, Manchester City si je me trompe pas fait un bon match qui est là qui fait sa belle fête de saison mais ce n'était pas assez suffisant pour euh, pour intégrer le groupe mais je crois que honnêtement s'il continue cette lancée là il pourra Totalement intérieure, mais bon, ça dépendra aussi de son été, s'il doit bouger, s'il va rester, s'il reste. À quelles conditions En tout cas, pas la question pour, euh, pour Mamad Diallo. Donc, pour revenir sur les matchs, deux matchs, donc un premier match contre le Gabon, euh, où on a, on a une victoire 1-0 avec un but de Seko Fofana, une frappe à la Seko, comme on le connaît. Euh, et ce que, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est l'animation. Parce que, eh bien, ça y est, à quelque chose. D'habitude, on joue dans notre 4-3-3 classique avec. Euh, Série devant la défense autour de Kessier et Fofana. Mais là, on, est, on a joué avec une défense à, à 3. Donc, c'était une première innovation, premier, premier risque de d'Emers de Faillé. Donc, avec une défense à 3 avec Odilon, Kosonou, Agbadou et, et Indika. Et un milieu un peu à 3 encore, toujours avec Série Kessier, Kessier et Fofana. Et deux pistons, donc Singo et Conan. Sango qui a habitué à jouer dans ce rôle-là avec, euh, avec l'AS Monaco. Euh, Gislain Connor aussi qui, qui connaît ce rôle, qui peut jouer piston et comme latéral, donc pas trop de. C'est de à niveau-là. Et une attaque composée de, de Haller et Diakité. Pendant bon, le principe, sur le papier, j'ai envie de dire que l'équipe est cohérente parce que Diakité joue, a joué un peu la dernière partie de saison avec Reims en pointe. Donc euh, il sait jouer en pointe, il sait jouer aussi sur le côté. Et on sait que là, les, 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 les Gabonais sont vraiment une équipe très rude rude, qui a bien joué. Très beau match de, de l'équipe avec notamment Léminal pour l'expérience, euh, Bonga, Aubameyang. Euh, et que les mangas c'est des, des joueurs d'expérience, donc ils savent, connaissent le, qui connaissent le haut niveau, connaissent la Ligue 1, qui connaissent la, la première ligue. Donc c'est vraiment une équipe expérimentée, qui, qui, est, qui est bien coachée aussi. Donc qui a vraiment joué son football. Et honnêtement, je trouve que la Côte d'Ivoire a un peu déjoué, un peu déjoué parce que nouveau système, nouvelle adaptation, nouveaux repères. Euh, les Seco a l'habitude de jouer dans ce système-là, avait l'habitude de jouer dans ce système-là quand il était à Lens. Alors bon, ça le, ne lui pose pas trop de problèmes, mais c'était compliqué parce que défensivement, on avait quand même assez de maîtrise. Hein. Quand t'as as une défense à 3 et t'as trois milieux qui portent le ballon comme Kessié, euh, Seco et Sérice, ces trois joueurs qui portent le ballon, qui, qui savent conserver le ballon, qui ont, qui ont un impact quand même au milieu. Et tu as deux pistons qui, qui, qui font des courses incessantes. Donc on a, on a eu quand même assez de maîtrise. Mais le problème, ce match-là, c'était quand même l'animation offensive. Quoi. On se rend compte que Oumar et Alair, et c'est faible. C'est faible offensivement parlant, c'est faible, c'est dur euh, pour se créer d'occasions. On a eu, eu quelques-unes, mais c'était compliqué. C'était compliqué de se créer des occasions. Euh, on a quand même pas mal concédé. Gros match de Yao. Voilà, sur ce match et aussi sur le match contre le Kenya, on en reparlera après. Mais voilà, on marque grâce à une frappe de, de, de Seiko. Et en vrai, on fait un bon match. Comme je l'ai dit, on a pas mal de maîtrise. On contrôle un peu le tempo du match. On a quelques occasions. Un match plutôt décevant de Dumardia quitté. À l'heure, difficilement trouvable. Parce que, voilà comme je disais, dans un système comme ça, si tu n'as pas un milieu de terrain qui est assez créatif, c'est dur de, de trouver facilement tes attaquants. Et la seule option, c'est de passer par les côtés, de trouver un dédoublement de, 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 pour, pour, pour descendre. Mais on se rend compte que Disla, Conan et Sengho étaient un peu livrés à eux-mêmes. Voilà, donc euh, à partir du moment où ça défendait bien sur les côtés euh, niveau, au niveau du, du, du côté du, du, du Gabon, on avait du mal à trouver les, les pistons. Donc euh, pour les centres et tout, c'était assez compliqué. Donc euh, voilà, un match plutôt bien géré de la part de, de la Côte d'Ivoire. Un poteau, une frappe, une gestion de la profondeur parfois compliquée. Hein. J'ai pas aimé le match de Kosono. Comme je disais Kosono, je trouve que c'est une bonne saison, mais parfois. Parfois, il déconnecte un peu. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime beaucoup Kosono, mais je trouve que parfois, il a vraiment des sautes de concentration qui, qui peuvent nous avérer, qui sont avérés que fatal hein, pendant la canne. Et des fois, il, il déconnecte un peu. Il fait des passes euh, out of nowhere. Euh, voilà. C'est un peu compliqué. mais final, une victoire. Donc, la, une belle victoire contre le Gabon. Et après, le match piège. Le match piège contre, euh, contre nos amis les Kenyans. On a joué euh, au Malawi. Je n'ai plus même pas joué sur une pelouse vraiment flinguée. Un match l'après-midi. Pour être honnête avec vous, j'ai regardé le match vraiment d'un œil. Et c'est typiquement le genre de match qu'on n'aime pas. Il fait chaud, l'équipe est rugueuse. Euh, un gros, gros match de Yaf Fana qui a fait 3-4 parades, mais vraiment incroyable. Et moi, suis... moi c'est ma... ma seule satisfaction du match. Au final, rassurer que Ousmane... que, Ousmane. que Yaf Fana euh, est fiable. Est fiable tout simplement, qu'on peut compter sur lui. Que même quand c'est compliqué euh, dans le jeu les occasions on peut coter sur notre sur notre gardien donc ça fait du bien ça fait du bien on sait que depuis euh, Copa et Bo c'était un peu compliqué c'est un peu compliqué mais voilà en sortant de ces deux matchs là avec euh, avec deux clean sheets ce qui n'est pas qui n'est pas rien donc ça montre aussi que notre défense est, est assez solide mais encore une fois l'animation offensive pendant ces matchs de qualification et ça est assez compliqué donc on est quand même premier de notre groupe euh, juste devant le le, le Gabon. Euh, les prochains matchs auront l'année prochaine. Euh, donc, rassemblement plutôt, plutôt positif. Operi, Guessens euh, sont rentrés. Lat aussi est rentré. Donc, euh, des petites entrées sympas. Euh, un rassemblement un peu de, de, de confirmation, j'ai envie de dire ça comme ça. Faye a, 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 a mis la pression un peu sur ce... Je me demande si on est un peu dans une transition. Parce que Faye a mis la, la pression hein, sur les... Sur les A, sur les oriers des gens qui pensaient peut-être avoir leur place un peu garantie en, fait, en sélection, hein, grâce au. Donc, ouais, mais... Donc, voilà. Ouais. Les pertes sont chères. Euh, rien n'est figé. Honnêtement, je pense que vraiment rien n'est figé. Je pense qu'il y a des joueurs encore qui peuvent rentrer euh, encore dans, dans cette sélection. On sait que la Cannes, la prochaine canne aura lieu en 2025, décembre 2025 jusqu'à janvier 2026 au, au Maroc. Après, ça, on va enchaîner sur la Coupe du Monde. Donc, euh... Il va falloir se bouger quoi. Euh, la, la, je pense que les... les places pour 2025 vont jouer là, au début de saison 2024, entre septembre et janvier. on va falloir euh, performer. Euh, comme je dis, il y a certains joueurs pour moi qui doivent changer de club, d'autres qui doivent se réveiller. Donc, euh... franchement, bon rassemblement. Euh, plutôt le premier match du... contre le Gabon plutôt que contre le Kenya qui était très compliqué. Mais voilà, donc. Euh... J'ai bien aimé ma Côte d'Ivoire qui était solide défensivement, un bon gardien des milieux fidèles à eux-mêmes, et une attaque une, une attaque très compliquée. Euh, bon, le deuxième match, honnêtement, la pelouse était vraiment trop compliquée. C'était vraiment le match piège. Honnêtement, on n'a pas perdu. C'est typiquement le genre de match on a l'habitude de perdre. Hein. Donc là, on n'a pas perdu. Donc moi, j'ai plutôt, plutôt satisfait. Et puis, voilà. Donc ça nous fait une bonne transition pour la pour la suite, pour les tops et les flops. Euh, là, j'ai fait un top Ligue 1, Série A, euh, non, Ligue 1, Ligue 2, Série A, Première Ligue, et autres, donc surtout les autres championnats. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour vous, c'est qui les joueurs qui ont le mieux performé cette saison euh, dans, les, dans les plus grands championnats Quand Je vous donne mon avis. J'essaie de sélectionner que trois joueurs max par, par championnat euh, en fonction de, de la densité de joueurs qu'on a par championnat. Ou dites-moi euh, dans les commentaires c'est qui les joueurs que vous avez plus kiffé jouer en championnat. Je parle pas d'équipe équipe nationale en championnat euh, que cette saison. Alors on commence par la, ligue... Par la première ligue. Euh, moi, je me suis fait d'équipe personnelle hein, et je pense que personne ne va être d'accord avec moi. Mais, mais, mais mon top, avec, au niveau de mon flop, surtout. Je pense surtout que je suis le dernier joueur de mon, de mon flop parce que c'est mon chouchou. Mais il fallait que je mette une petite euh, piqûre de rappel. Donc on, commence, on va commencer par les flops. Sangare. Je l'ai dit lorsqu'il est arrivé à Nottingham Forest. Sangare, c'est pas un bon joueur. Il était au PSV, il était dans son prime, on peut totalement le dire. J'aurais aimé le voir dans une équipe. Toujours une équipe un peu milieu de tableau, peu importe le championnat. Hein. Mais Nottingham c'est trop compliqué. Il y a deux ans, Nottingham est deux trois ans, deux ans si je me trompe pas, hein, que Nottingham Forest est en première ligue. Ils ont quand ils ont monté de la Championship à la... la Championship à la première ligue, ils ont changé quasiment tout leur effectif de A à Z. Ils ont recruté avec Gibbs White, ils ont recruté plein plein de joueurs. Et le dernier mercato aussi, ils ont changé beaucoup. Ils ont recruté Hudson Odoi. Ils ont fait beaucoup de changements. c'est pas une équipe stable. Pour moi, ce n'est pas une équipe stable. C'est une bonne équipe qui joue relativement bien pour le euh, niveau Première Ligue. Mais l'équipe n'est pas stable. Et je pense que l'opportunité était belle pour, 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 pour s'engager. Parce que je suis au PSV, l'équipe voilà, va jouer la Ligue des Champions, tout ça. Mais j'ai l'opportunité de jouer en Première Ligue. Et moi, j'étais assez confiant. Parce qu'en fait, la première ligue, c'est un championnat qui peut te donner de l'exposition, certes, mais qui peut parfois aussi te noyer. Si tu n'as pas assez d'exposition, tu peux te noyer et finir en prêt dans une D2 polonaise très facilement. Et la saison de Sangaré est trop compliquée. Euh, déjà, il ne fait même pas une, bonne... fait pas une bonne canne. Il se blesse, il ne fait pas une bonne canne, je trouve. Euh, il fait une saison très mitigée, il ne joue pas beaucoup de matchs. Euh, il n'est pas titulaire, il fait des bouts de matchs et c'est compliqué. En première ligue, on sait que l'intensité est telle que... Peux très facilement perdre ta place et si tu n'es pas surtout dans des équipes comme ça un peu mid si tu ne te distingues pas et si tu montes pas ton importance dans le jeu surtout qu'ils ont pas mal de milieu de terrain euh, du côté de, de, de Nottingham Forest donc tu peux vraiment vite, vite perdre ta place et c'est ce qui est arrivé à, à l'ami euh, Sangaré c'est dommage donc j'ai peur bon, en reparlera un peu du mercato mais j'espère qu'il va qui va pouvoir trouver une solution pour toi autre euh, flop Maxwell Cornet euh, du côté de West Ham, West Ham qui n'a quasiment pas joué, hein. on, peut le, on peut se le dire. Cornet qui, qui est en train de se perdre en première ligue. La première ligue, c'est vraiment championnat. C'est tellement, tellement compliqué d'exister en tant que joueur en première ligue. Donc euh, voilà, Cornet aussi. Et pourquoi est-ce que j'ai mis Adingra Je vous explique. Vous savez que Adingra, c'est mon combat. Adingra, c'est mon choucho, Adingra, c'est mon joueur ivoirien préféré. Et je pense qu'aujourd'hui, Adingra, c'est le meilleur joueur ivoirien tout court. Mais mon problème avec Adingra, c'est quoi Adingra a subi la baisse de Brighton. Brighton fait une première partie de saison top. Mais la deuxième partie de saison de Brighton est catastrophique. 30 élimination en, en, en Europa League et euh, les 10-15 derniers matchs de, de Brighton, c'est nul. Nul. Totalement éclaté au sous-sol en fait, et je me suis tapé des samedis 15h en regardant des Brighton Arsenal, Brighton euh, Crystal Palace et tout ça. Uh, Brighton joue mal, Brighton ne sait pas défendre, Brighton encaisse plein de buts. Toute la première partie de saison, ils encaissaient quasiment aucun but à, à, à domicile et gagnaient presque ou ils ne perdaient aucun match. La deuxième partie, ils en ont perdu, ils ont encaissé plein de buts souvenir, un Brighton-Chelsea où ils se font, mais littéralement tourner dans tous les sens par Chelsea. Et le problème, c'est que. Mon problème avec Adengra, avec Brighton en tout cas, c'est que Adengra est tributaire du jeu de Brighton. Son jeu est très, très stéréotypé. Même s'il a des fulgurances, il colle la ligne et il est obligé de faire des différences. Le problème, c'est que le système de jeu dans lequel Brighton est évolué en deuxième partie de saison à cause des blessures et tout ça, a fait que Adengra ne se retrouvait pas devait prendre le ballon de trop loin. Il devait récupérer le ballon de, depuis la, la, la moitié de, de, de terrain parce que les adversaires pressaient. Donc il, recu il avait le ballon beaucoup plus tôt. Et du coup, Adingra, ce n'est pas forcément le genre de joueur qui peut te, te faire milieu de terrain jusqu'à la phase de réparation adverse sans perdre le ballon en étant totalement décisif. Donc ça, ça a impacté son rendement. Il, 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 il faisait beaucoup d'efforts, il défendait beaucoup plus. Mais à chaque fois, il se retrouvait à 1 contre 2 à partir du milieu du terrain, ou même quand il arrivait euh, vers euh, la surface de réparation adverse, il avait 2-3 joueurs autour de lui, et du coup, c'était difficile pour lui d'exister, offensivement, à part Welbeck, mais même Brighton n'a pas vraiment eu de bonnes animations, de bons schémas offensifs, qui lui permettaient d'exister, surtout avec la blessure de, de Mitoma et tout, c'était devenu trop compliqué, que Brighton qui jouait trop mal, qui avait un milieu de terrain trop fébrile, qui jouait avec beaucoup de jeunes, et du coup, Alain a fait un bon retour de cannes un bon retour de gamme comme euh, Jack par exemple avec, avec, euh, avec euh, Reims. Mais après les 4-5 matchs, après au début, là, il est retombé dans les travaux, il a subi le jeu, il n'a pas été suffisamment décisif, il a eu quelques fulgurances. Mais le problème, mon problème avec, avec, cette, avec euh, la saison de c'est qu'il n'a pas été le joueur qu'on espère qu'il est. Il n'a pas fait une mauvaise saison, il a fait une bonne saison. En, 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 en premier, en, en, même en équipe nationale, il a fait une très bonne saison, mais j'en attends plus. Je trouve qu'il est tellement bon, qu'il peut faire tellement plus j'ai été un peu déçu de sa saison bon par rapport au top inversement il bon, y a trois joueurs qui n'ont pas fait des saisons extraordinaires mais qui m'ont donné une belle impression visuelle et j'ai senti de la progression j'ai senti de la progression chez Datro Fofana quand je l'ai vu à c'est quoi déjà son club en, en, en Bundesliga là où il jouait en Bundesliga avant de venir à Union Berlin je l'ai trouvé pas mal sur certaines séquences en Berlin est champion de ça mais quand je l'ai vu à Berlin j'ai trouvé épanoui il met 2-3 buts de fou et tu te sens libéré dans son jeu. Je tu sens libéré dans son jeu. Et tu sens en fait que s'il est dans les bonnes circonstances, il, te... il peut créer quelque chose en fait. Et c'est ce que j'aime chez Datro. Il est technique, il s'embrouille un peu sur le terrain, il manque, de... il manque un peu de repères. Mais en fait, je sens le potentiel, je sens l'allant, je sens le sens du but en fait. Et c'est ça que j'ai aimé chez, chez... chez Datro Vovana. En mode Diallo, j'ai beaucoup aimé sa saison parce que, on aura beau dire, mais cette saison, on a des, on a des... des images fortes. D'Amad on a des images fortes. D'Amad de son but contre Liverpool. Et il met aussi une volée là, euh, avec euh, United, je ne sais même plus contre euh, quelle équipe, mais c'était à la fin de saison très belle. Une volée de fou malade. Et en fait, j'ai l'impression qu'on retrouve Amad Diallo. Technique, qui, qui a ce petit coup de rein, qui, qui sent le jeu aussi, qui est capable de combiner dans les petits espaces, capable d'être décisif en fait. C'est ce que je reproche un peu à. à, à... Qui est capable de décisif, de sentir le... à quel moment faire la passe, à quel moment centrer, à quel moment garder le ballon. Et il est... je trouve que c'est un joueur qui manque de confiance. Il a eu pas mal de blessures aussi qui manquent de confiance. Et mais je trouve qu'il fait, pour le peu de temps de jeu qu'il a eu cette saison, je trouve qu'à chaque fois qu'il était sur le terrain, à chaque fois qu'il a eu à jouer, il a, il a... Il a... Il a joué au rôle, comme on dit. Et mon troisième top, c'est Willy Bully euh... Willy Bolly à Nottingham Forest, qui contrairement à l'ami euh, Sangari lui s'en sort alors j'étais duitatif aussi lui parce que je n'ai jamais été un fan de Boli mais je trouve que en fait Boli c'est pas forcément ton leader de défense et dans une équipe qui est appliquée défensivement il a vraiment toute son importance parce que il est il est pas très rapide mais sur les 4-5 premiers mètres face à un défenseur même en, face à un attaquant quand même on a, on a une attaque il est capable de rattraper son défense, en attaquant. Il est capable de faire le bon geste défensif. Il, est, il joue de la tête impeccable. Et je trouve qu'il fait une bonne saison et qu'il aide vraiment euh, Nottingham dans, son, dans sa course au maintien. Et je trouve que c'est un élément essentiel, en tout cas, de, de cette équipe de, de Nottingham Forest. Passons à la Ligue 1, euh, notre championnat français préféré. Avec euh, des tops et des flops. Vraiment, les flops sont très. À part ou moins, les flops sont très très bas. Et autant les les, les tops sont très hauts. Euh, Mais tops, c'est Operi. Comme j'ai dit, meilleur joueur du Havre cette saison. Euh, défenseur euh, rapide, technique, offensif aussi. Il a un gros volume de jeu. Et j'aime trop. Très trop content euh, de sa saison. Et c'était totalement récompensé par son arrivée en sélection. Euh, Mobamba, bon, même si Laurien est relégué, il te sort 11 buts, je crois, cette saison. 2 euh, buts opportuniste euh, re, remise en une touche c'était vraiment la plaque tournante de, le, de la de l'attaque la, de, de l'orient je pense qu'il peut trouver un bon clément ligue 1 que ça soit pour être backup ou titulaire pour moi il a vraiment sa place encore en ligue 1 donc euh, très belle très belle saison j'ai pris du plaisir à le regarder que euh, bon l'orient c'était dur quand même euh, pas se mentir mais j'ai pris du plaisir <laughs> à le regarder lui jouer voilà à regarder à le regarder lui jouer et le mon dernier top, j'ai pas pu me pas pu bon, j'aurais pu différencier juste au niveau de, du classement de leur club, mais je trouve que Guiladoué et Singo sont trop forts. Euh, j'ai trouvé une saison très très complète de Singo, euh, Wilfried Schaubar très très complète. Guiladoué monté en puissance, le défenseur solide. Euh, C'est vraiment ce qui en fait Guiladoué et Singo, je, je suis totalement rassuré sur notre défense en équipe nationale. Et je trouve que même Guéladoué, je pense que en ce moment, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait aller à, au Real de Madrid et qu'il a refusé une offre du, du PSG pour aller au Real de Madrid. Donc à voir. Mais je trouve que Guéladoué est tellement serein, technique, un peu technique quand même. Mais il est, il est dur sur l'homme. Et je trouve que c'est un peu une version un peu différente. J'ai envie de, de comparer un peu à Koundé, mais une bonne version, le bon Koundé projette un peu plus voilà à une toute autre échelle hein, parce qu'il est encore jeune et tout mais j'ai bien aimé la saison de gladway j'ai bien 50 franchement bon, j'aurais pu... j'ai dit que à est peut-être le meilleur joueur ivoirien en ce moment sous la scène offensive mais tout que défensivement singo c'est fort quand même c'est très très fort inversement j'étais déçu de la saison de umard qui était pourquoi en vrai pour les mêmes raisons que pour euh... que pour à avant la canne hmm, il joue un peu il joue un peu, il a quelques fulgurances. et tout. Retour de la canne, il fait un, il fait un retour de la canne incroyable. Les 5 les cinq, six premiers matchs de de de, de avec Reims. Après la canne, allez-y voir. C'est Ronaldo Prime. C'est buts, ses passes décisives, ses dribbles, ses pointes, c'est 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 trop fort en fait. Mais après ça, et pareil, euh, Reims, l'équipe même de, de Reims baisse en qualité de jeu. Et le niveau de Oumar aussi baisse. Et moi, c'est ça mon reproche. On n'a pas des joueurs qui, aujourd'hui, sont capables de porter un club. Bon, Oumar est jeune. Mais il y a, Lamine Yamal aussi est jeune. Euh, Pedri est jeune. Ziala est jeune. Virts est jeune aussi. Et ça me dérange que Oumar n'est pas capable d'être le détonateur de son équipe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre le ballon et lui faire des différences qui vont stimuler toute l'équipe pour arriver à un résultat, à la victoire à un nul ou à marquer un but. Et c'est ça mon problème encore avec Oumar. Il est encore un peu trop brouillon. Et j'espère qu'il va pouvoir co corriger ça. Les deux autres euh, flops, c'est Snali, je à Lyon, qui a quasiment pas joué. Et Bamori Meité qui est venu à Lyon, à Marseille, pardon, qui avait commencé à jouer un peu, mais qui s'est blessé. Donc euh, voilà, j'ai pas d'image forte de lui. Je trouve qu'il a été juste bon, bof, ouais, sans... sans plus. Par contre, les deux belles histoires de ma Ligue 2. de Ma Ligue 2, que... Euh... Est-ce qu'on dit Ligue 2 BKT encore Je ne sais même plus. C'est Yaf Opana. Yafopana euh, parmi les meilleurs buteurs. Meilleurs buteurs, meilleur gardien de, de Ligue 2. Je crois que c'est gardien qui fait le plus de clinchis en Ligue 2. Et c'est vraiment trop rassurant pour, pour son équipe et pour l'équipe nationale. Et le retour de Bamin à Dunkerque. On ne s'en rend pas compte, mais Bamin, avant d'arriver à Dunkerque, à un moment, il n'avait plus de club. Alors que je me souviens, il y a 2-3 ans, je suis allé regarder un Côte d'Ivoire-Togo à... à Rouen. Bamin jouait mieux de terrain. C'était le, le premier match de Seco, retour de sélection. Il fait un gros match et. Je trouve que c'est un profil qui pourrait vraiment être un bon backup de, de série. Euh, parce qu'il est grand, il est mobile, il a une belle qualité, à jeu au pied. Du coup, il allait se relancer du côté de, de Dunkerque qui a pu se maintenir en, en Ligue 2. Avant ce qu'il va faire, honnêtement, je ne pense pas qu'il va, va, euh, va rester avec Dunker. Parce qu'avec ce qu'il a montré, je pense qu'il y a des clubs. Enfin, des clubs de milieu de tableau de Ligue, 2, de Ligue 1 qui peuvent aller le chercher ou bien des clubs qui visent la montée en, en, en Ligue 2 qui peuvent aller le chercher. Donc euh, Franchement, Bam, ça fait plaisir de, de te revoir jouer. Donc, euh, continue comme ça. J'espère que tu vas pas te blesser. Tu vas continuer pour, pour revenir en sélection. Parce que c'est vraiment un profil qui, qui, je pense, peut être utile pour nous. Parce que Serie A à 95 ans, ça, ça va. Quoi. En Serie A, là, je vais être méchant. Ouh. Je vais commencer par le flop ultime. Christian Kwame. Christian Kwame, les amis, c'est trop, trop faible. Excusez-moi. Je, je n'aime pas trop tailler nos joueurs à Christian Kouamé, c'est trop faible. Je ne sais même pas si j'ai pu sortir ces stats, mais... Christian Kouamé, en fait c'est même pas... même pas, Il met même pas 5 buts en fait. Christian Kouame c'est 38 matchs. 38 matchs cette saison. Il met 2 buts. deux buts. À la Fiorentina. C'est pas possible en fait. Je peux pas jouer 38 matchs en série A. Il met que 2 buts attaquant. Et les il n'a pas 10 passes décisives, hein, il n'a pas 8, neuf passes décisives non plus, hein, non plus. Hein. Il n'est pas bon en fait. Et je ne sais pas comment il arrive encore à rester à la, à, à la Fio. La, la Fiorentina fait quand même finale de repas de, de, Europa, de Europa conférence. Donc moi, c'est mon flop ultime. Genre, avant je devais bien regarder la Fiorentina, hein, mais maintenant, franchement, qu'est-ce qu'il est. C'est -ce qu dur, hein, Christian, quand même. Honnêtement, pour moi, la suite pour Christian, quand même, c'est l'Arabie Saoudite. On verra dans le mercato. C'est top, par contre, parce que oui, il n'y a pas eu que du négatif. Euh, Indica avec la Roma malgré son malaise euh, qui contribue de fou dans la belle saison quand même euh, de la Roma euh, reprise avec De Rossi donc euh, il fait une bonne saison il est titulaire serein toujours aussi fidèle à lui-même Indica il fait, il fait il fait le boulot et Hassan Kamara avec euh, Ludinese avec Ludinese Ludinese une très belle saison milieu de terrain euh, parmi les meilleurs joueurs de de son club en en, en, en A. il joue 35 matchs milieu de terrain rugueux forte euh, présence au milieu athlétique franchement Donc, que, 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 que que demande le peuple en fait c'est avoir son avenir en sélection mais j'ai bien aimé en tout cas sa saison avec euh, avec la, la, la avec avec a l'oudinese ah là, 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 là Bon, on, on, on continue. Dites-moi, peut-être que j'ai été trop direct avec Christian quoi, mais honnêtement, je trouve que c'est il n'a pas de niveau. Ouais. Il me Dans euh, Des autres championnats, euh, je ne sais pas si je commence par les flops ou les tops. Les flops, je vais commencer par les flops parce qu'il est trop similaire. Zara qui fait la pleureuse. OURIER, qui croit qu'il est trop invincible. Et crasso qui est trop dans son coin, qui est trop timoré qui est trop moins Jean-Pierre Crasso. Quand je vois Crasso, j'ai envie de dormir. C'est l'attaquant qui... Ah et là Il va te faire un petit point une virgule et tout mais là tu vas faire fait avoir un coup de drain une accélération. Grasso, face au but, il va ah, il a oh crasso. Oh. oh. il aurait pu la mettre. Ah il aurait pu. Ah il aurait pu. Ah il aurait pu. oh crasso. Crasso. C'est ça en fait. Crasso c'est ici. Si, c'est un gros atif. dans sa tête euh... Drogba, c'est le joueur que Crasso aurait aurait voulu être. Encore, encore, en, quand, en, quand il est dans la surface comme ça, il fait ses petits trucs. trucs, 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 trucs Zéro, rien, but, niet, nada. J'ai pas aimé sa saison. J'ai pas aimé la saison d'Aurier. J'ai pas aimé la saison de Zaha. Trop de pleurs. Peu d'impact dans leur club. Pas enfin, assez suffisamment d'impact. Beaucoup de beaucoup de célébrations. Oui, ça fait film euh, Quand euh, Aurier qui fait un film quand ils reçoivent il le trophée à Tassaray, mais moi c'est fini tout. Hein. Moi c'est fini tout Pipo, honnêtement. Ouais. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je veux plus les voir en sélection d'ailleurs. Voilà, je l'ai dit. Les top, euh, Kosunu, euh, Bundesliga, euh, Coupe d'Allemagne, euh, saison quasiment invaincue. Bon, il est passé derrière la hiérarchie, mais Atta qui, qui se barre euh, au Bayern. donc pourquoi pas une saison. Je de... sais pas, c'est comme une saison qu'il est, qu est là-bas. En tout cas, une, une autre saison de confirmation où il peut être titulaire indiscutable. La saison du côté de, 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 du Bayern Leverkusen. Donc, très belle saison. Nicolas Pepe qui, qui, qui commence à rejouer au foot. Et ça, ça fait plaisir. Et on parlera un peu de ça dans le Mercado. Mais je pense que là, Pepe, tu dois revenir en France. Dans un Nice. Mon bon, Nice n'est pas concluant. Dans un Lille. Dans un Rennes et tout. Et tu dois tout casser, en fait. Tu dois tout casser. Parce que tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu, tu peux totalement le faire. Moi, moi j'ai envie de, de croire encore un peu en toi. Avec ton pied gauche. Euh, prendre le côté, revenir dans l'axe, tirer, combiner avec. Voilà. Franchement, dans un bon système offensif, Pepe a encore largement sa place en, 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 en Ligue 1. Voilà, par que tu turquie, pas trop de visibilité, mais bon, voilà. Très belle saison aussi de Franck Essier. Euh, beaucoup de highlights. Euh, Essier, je pense que euh, en Arabie Saoudite, c'est pas mal de, de très bonnes stats. De très bonnes stats. J'ai mis Kessier, Bon, j'aurais peut-être pu mettre euh, seco Mais euh, je trouve que Essier fait. Honnêtement, je n'ai pas regardé tous les matchs d'Arabie Saoudite, hein, mais je regardais des, des highlights de temps en temps. Donc euh, voilà, Daignez, me... daignez prenez-moi comme un petit frère. Hein, prenez-moi comme un petit frère. Prenez-moi totalement comme un petit frère. Et Ousmane a demandé qu'il fait une très belle saison aussi du côté de, du sporting. On dit qu'il va peut-être aller à Arsenal. J'ai mis encore des réserves et des pincettes. Au moins, il faut encore une saison confirmation. Ou une saison dans un autre club, un peu plus mid en Europe. Voilà. Euh, un bon club. En, en, en Italie, Jean Lazio Nap. Voilà. Je pense qu'un passage en Italie, ça fonde toujours les défenseurs et, et ça peut être que bénéfice, bénéfique pardon, pour lui. Donc, très belle saison aussi de Ousmane euh, Donc, voilà un peu. Euh, Dites-moi vos, 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 vos tops, vos flops. Comment est-ce que vous avez vécu ces saisons de, de, de nos joueurs euh, Franchement, j'espère qu'Aden Grava va être dans un grand club. Même voilà. s'il reste à Brighton qui fasse une meilleure saison. Euh, J'espère que nos joueurs vont faire de, de meilleures saisons tout court. Euh, si je devais donner... Dites-moi à quelle note vous voulez donner à, à cette saison. De La part de nos joueurs. Euh, à la part De nos joueurs Moi je donnerais un bon... Un bon 6-7. Un bon... un gros 6. Gros 6 parce que on n'a pas eu de joueurs trop... Waouh On n'a pas eu un Ozyman. On n'a pas eu un Salah. On n'a pas eu des voilà. joueurs à ce niveau-là. Mais dans notre dimension de, de joueur, là, on a, on a quand même fait le boulot. Euh, on a une très belle défense. Très belle défense d'avenir. Des certitudes en défense. Franchement, au vu qu'on fait le, euh, la compo d'équipe de la Côte d'Ivoire, la défense est le secteur qui m'intrigue le moins. Euh, le milieu, je trouve qu'on a encore un manque de... Un vivier un peu un peu, un peu léger encore. Donc j'espère que... Bah, même... Ah ça, Kamara, je ne sais même pas pourquoi il est pensé. Voilà. Donc j'espère que tous ces gars, ils vont pouvoir se, re se relever. Et retrouver, toujours rester dans de bons clubs ou trouver de, de nouveaux clubs pour pouvoir revenir plus fort en, en sélection. Euh, ensuite, on va parler du tournoi euh, Maurice-Révélo. Je vous remets le sommaire. Donc, euh, voilà, donc on a parlé de, des matchs de qualification on a parlé de la saison des éléphants. Là, on parle du tournoi Maurice-Révélo qui est le tournoi des jeunes de U20 à U23. Euh, qui a lieu du côté de Toulon aussi, bon, en tout cas avant on l'appelait le tournoi de Toulon donc voilà. Et euh, ben, je sais pas si vous savez, mais la Côte d'Ivoire a fini euh, deuxième. deuxième, de du de tournoi. Ce qui est bien, c'est que mmh, mmh. moi j'ai suivi un peu. On a on a joué contre l'Argentine, on a joué contre l'Arabie Saoudite, on a joué contre une autre équipe, on a perdu un zéro et puis on a joué la finale. Et j'ai regardé la finale et la finale était trop trop stylée. Franchement. Eh, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé notre équipe, j'ai trop aimé l'énergie de l'équipe, on était mené 2-0, on, on est revenu au score, on a mis la pression sur l'Ukraine. Sachant que nous, on a on une équipe U20 et l'Ukraine avait une équipe U23. Donc le match était diffusé par euh, RMC ou les, RMC, RMC RMC, Sport. Donc je pense que vous pouvez retrouver le match euh, sur YouTube. Donc euh, Ouais, donc le match peut être retrouvé sur YouTube. J'ai bien aimé le match. Et en fait, j'en c'est trop rassurant parce que notre équipe... Certes, sais pas ce que je dire d'aller certitude, hein. mais l'équipe est, est entraînante, l'équipe est sympa, l'équipe euh, l'équipe joue, l'équipe est joviale, ça attaque dans tous les sens. Le gardien, il est il a fini le meilleur gardien du, du tournoi, très bon gardien, euh, Conan. Euh, et l'équipe l'équipe est prometteuse. Et quand je vois ça, quand je vois les U21, quand je vois les U20 et tout, je pense que franchement, il y a des gars, franchement, les, entre les espoirs, les U20 et, 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 et notre. Euh, notre génération actuelle je pense qu'il y a vraiment vraiment il y a vraiment quelque chose à, à jouer je pense qu'en vrai ça se concentre un peu, gagner la canne encore donc euh, voilà force aux U20 qui, qui nous ont fait kiffer encore euh, encore cette saison on attend les, les voix je crois il y a un joueur qui a signé à strasbourg je connais je peux oublier son nom euh, récemment mais voilà on a une équipe et franchement big up à la fédération des vestires dans nos jeunes voilà parce qu'ils sont allés ils ont pu jouer le tournoi Bon, presque failli gagner tournant le c'est incliné au tir au but. 5 tirs au but euh, tirs à 4. Sachant que même l'Ukraine rate son premier tir au but. Hein, et puis après, Yann y a de Nogar, au moins il a mis une balle. Puis il a jeté la balle, lui, ce gardien. À suivre, les, les U20 ivoiriens. Et pour terminer, notre cher Ligue 1. Bon, la Ligue 1 ivoirienne. La la, la Ligue 1 ivoirienne. Bon, je sais pas si vous vous êtes friands de... Si vous suivez vraiment la ligue ivoirienne mais moi de temps à autre je, je m'oublie à regarder certains matchs et moi mon bilan de la saison c'est que bon on n'a pas encore d'équipe qui peut rivaliser avec les autres équipes on a toujours pas de club pardon qui encore rivaliser avec les autres clubs sur la scène africaine euh, la sec est sortie euh, très mal en ligue des champions africaine je crois que la côte d'ivoire N'a que qu'une ou deux, deux victoires en Ligue des champions africaines. Donc, euh, il faut qu'on se ressaisisse. Donc, la SEC qui s'est inclinée là euh, à zéro en finale de la, de la, coupe, de, la coupe nationale hein, de, 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 du championnat ivoirien contre euh, l'AS San Pedro avec un pénalty de l'AS San Pedro. Donc, euh, voilà. La SEC qui fait une saison quasi blanche. En début de saison, ils avaient remporté un, un trophée de champion ou, en septembre, quelque chose comme ça. Mais bon, la SEC est en déclin. J'ai déjà fait une vidéo dessus pour dire que la SEC, le problème avec la SEC, c'est surtout le, la politique du club. Hein. On a beaucoup de bon, bons joueurs qui sont formés à la SEC. Pas très tôt. Et du coup, bah, les, le club perd en compétitivité. Hein. C'est un constat. C'est pas forcément mauvais. C'est la politique du club. Mais les, les gens attendent autre chose de la SEC. Quoi. Les gens ont le côté historique. De la SEC. Euh, la SEC, c'est un grand club. C'est comme la, comme la Juve, comme le Real, le Barça. Et euh, même le Barça forme de beaucoup de, de jeunes joueurs. Mais voilà. Pour des raisons économiques, on est obligé de vendre. La SEC est obligé de vendre, en tout cas. Et puis, et puis voilà un peu. Euh... Bon, saison blanche de la SEC, je sais pas. Ils ont fini quatrième du championnat. Je sais pas si on doit attendre grand-chose de la SEC la saison prochaine. Je sais pas. À vous de me dire. C'est quoi votre avis sur. Euh... La SEC. C'est quoi votre avis sur la SEC C'est quoi votre avis sur le, la, le championnat ivoirien Ce qui était bien aussi, c'est que pour la finale de la Coupe, la finale a eu lieu à Boquer et le, le stade était quasiment plein. Euh, il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup de spectacles, euh, beaucoup, une, une ambiance merveilleuse. Et voilà, le, le public de Boquer, bon, il y a quelqu'un qui disait que c'est parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à avoir beaucoup de foot, mais le public de, de Boquer est beaucoup plus décomplexé, décomplexé en tout cas que le public. Euh, Abidjanet ou même à San Pedro ou autre. Euh, on a senti vraiment de la ferveur, même si à fin il y a eu un envahissement de terrain et tout ça. Mais en tout cas, c'est très cool. Très cool. Euh, très cool match. C'est une finale. Les finale, hein. c'est jamais flamboyant, spectaculaire. Il n'y a pas eu 8-2. Voilà, quoi, mais ça reste quand même un beau match de football qui vient mettre un terme à la, la saison de... De, football, euh... de football ivoirien. En guise d'actu aussi, euh... je ne sais pas si vous avez vu mon a... La Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a reçu son nouveau car. Son nouveau Et le trophée aussi de la Cannes continue à faire le tour de... <laughs> du pays. Je vous laisse 100, on a boiqué, on a, a remercié les autorités religieuses, de la banque, on a remercié la société ah, on a remercié si, la Première Dame. Euh, tout, 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 tout. Peut-être même qu'ils vont venir à la Cannes au JO. Hein. Au point où on en est. Mais bon c'était nationale a gagné la canne on ne la on pas souvent même si on a gagné en 2015 mais voilà l'humilité on reste toujours dans l'humilité on dit merci à tout le monde parce que c'est grâce à tout le monde voilà qu'on a qu'on a gagné la canne et euh, voilà un peu euh, voilà un peu ce, ce qui résume un peu la saison du football ivoirien euh, au niveau des transferts comme j'ai dit j'espère que Ousmane Diomandé peut quitter le Sporting Lisbonne Très clairement il peut quitter cliquer sporting Lisbonne comme j'ai dit il y avait un intérêt d'arsenal euh, mais je me dis qu'Arsenal la, la paire saliba gabriel va rester encore 2-3 ans moins pour moi donc il sera backup et je pense que à son âge il a besoin de jouer je dis que aller dans un club type Naples, type ladio un bon club de ligue 1 genre monaco voilà Ouais que c'est un go, ça peut être quelque chose. moi, ouais, il a besoin de temps de jeu. Voilà, c'est bien les sollicitations des grands clubs. Mais il, a, il a besoin de temps de jeu. Et je pense pas qu'il soit encore un, un crack. Euh... Je pense qu'il a du talent, mais je pense pas que ça soit encore un crack générationnel qui va faire bouger toutes les lignes. Donc, voilà. Il faut rester modéré, il faut rester euh... calme. Voilà, il faut observer un peu. Euh, Adingra, je pense que Adnigra va rester à Brighton. Il n'y a pas eu de réelle rumeur à, à ce sujet. Euh l'heure je pense que Haller va partir parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Guirassi devrait aller au Dortmund. À Dortmund, pardon, Dortmund a changé d'entraîneur. Il euh, y a Fulcrooog, Guirassi, il y a Malen aussi. moi, Haller, c'est... J'ai un peu peur même, que ça soit la dernière saison de Haller dans un grand, grand championnat. Dans un grand, grand club. Je ne suis pas convaincu de, de ça. Peut-être que c'est la... Voilà. En plus, il y a pas mal de soucis euh... Pas physique en ce moment, donc je suis vraiment pas convaincu voir, à voir ce que ça peut donner. Et puis après, euh, ouais, l'At a fait une très bonne saison avec euh, avec Middlesbrough en championship. Il va pas être un, un, un club. Je me dis qu'il y a moyen. Là, je me refais la liste au gars Bamba. Moi, bomba a bouger parce que la Ligue 2 c'est trop bas pour lui. Hein. Bon. Et puis après, euh, avoir hein, Je pense que qu'il va bouger aussi. On va sur nos joueurs, je pense qu'il y aura pas mal de mouvements. Donc à, à suivre, on va essayer de vous partager les infos les infos mercato dès qu'on en a. Et puis euh, voilà. Dites-nous euh, pour, pour le prochain épisode ce que vous souhaitez. Euh, je pense soit on va partir directement sur les JO. Voilà, parce que c'est dans un mois. Soit faire un petit récap basket ou athlétisme aussi. Ou un peu actualité du moment. Donc voilà, je vais choisir un peu un sujet qui peut nous tenir à, en haleine un petit moment et puis euh, voilà 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 écoutez merci à tous euh, et à toutes de nous avoir suivi c'était ivory sports talk le podcast 100% sport ivoirien le podcast préféré ton podcast préféré avec ton podcasteur préféré franck immanuel et qui est fouego on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous on est ensemble bye